Black Bottom est un roman d'abord sur l'art contemporain, il est sur la schizophrénie et il est aussi sur une proposition qu'Einstein avait donnée, c'est-à-dire le fait qu'il existe entre le passé et le futur un présent qui dure et qui n'est pas le présent réel dans lequel on peut s'introduire et créer donc des éternités dans un monde tout à fait à part mais qui est quand même dans le monde de la, de la réalité. Donc ces trois éléments-là, plus celui du personnage principal, qui est un prof de un peu réactionnaire parce qu'il a rejeté absolument ses élèves qui ne suivaient pas ses, ses directions dans le sens de poursuivre la langue française d'une manière équilibrée. Et donc il va écrire un blog vengeur pour dénoncer cette décadence de la langue française un peu et puis oui. tout de suite il va rentrer dans le monde de l'art parce qu'il va rencontrer euh, un peintre, un artiste plasticien plutôt qui s'appelle Festen qui est extrêmement célèbre parce qu'il a créé des, des concepts morphologiques interactifs qui sont des œuvres d'art vivantes à partir de, de gens qui ont décidé de le faire. Et là, donc, ce personnage va être mêlé à des quantités d'histoires extrêmement complexes parce que il va lutter contre le marché de l'art dans lequel on voit que actuellement l'art est aux mains des grands spéculateurs mondiaux et donc c'est aussi ce côté-là qui va activer ces réactions violentes contre cette mainmise contre l'art contemporain. Et par ailleurs, il faut bien dire une chose, c'est que cet Ariel va être une conquête de ce personnage parce que le fait d'y parvenir, il essaye d'y parvenir depuis le début du roman. Et il a secrété, enfin il a eu l'impression de travailler avec un ami de, quand il passait son capes et qu'en réalité, comme il est schizophrène, il s'est véritablement dédoublé. Et donc il va y avoir une espèce de course-poursuite entre lui et son double qui va se produire à Venise. Et ce roman est profondément visuel. Je pense d'ailleurs je me décris comme un écrivain photographe. Beaucoup de mes romans ont été pris, ont été écrits d'après les photographies ou avec des photographies. Et donc à Venise, il va y avoir un développement de l'art de par ce Festen qui va commencer à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est l'art terroriste. Et donc cet art terroriste, dont je laisse le mystère, va... Amener des, des conflits absolument énormes dans la ville de, qui va être bouleversée. Et, et en principe, euh, tous les gens qui participent au marché de l'art euh, contemporain sont euh, assez attaqués dans leurs eaux vives. Ben, si vous voulez, justement, le fait qu'il soit enfermé en lui-même, parce qu'il a donc une puce et cortex qui est enfermé dans son cerveau, donc. Euh, il est autonome, mais c'est un blog autonome. Et euh, ça permet, si vous voulez, d'avoir une vision totalement euh, égotique de, 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 de l'univers. Il, il ne perçoit les choses que par lui-même. Donc il n'a absolument aucune vision euh, de la société. Il ne, il ne voit très strictement que ce qu'il interprète. Donc j'ai voulu accentuer le côté individualiste de l'interprétation de la société par un personnage unique qui le diffuse selon, euh, c'est ce, ce que le blog permet, si vous voulez, de, on voit bien d'ailleurs dans, dans ce qu'on lit actuellement, c'est que des milliers de personnes individuellement prennent le monde en otage pour délivrer leur message personnel et je crois que c'est le blog est le meilleur moyen qui n'existait pas auparavant si un écrivain va écrire l'histoire de sa vie c'est pas ça qui va diffuser d'une manière considérable cette, cette vision qu'il a parce qu'il manque des quantités de choses le blog c'est l'instantané qui surgit alors il y a beaucoup d'enjeux bon d'une part il faut bien dire qu'il y a de ma part si vous voulez qui connaît bien l'art moderne et l'art contemporain un effet de réduplication considérable. Donc euh, j'ai même vu des auteurs qui, on, qui repeignaient les œuvres des autres et qui les présentaient comme leurs œuvres personnelles. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose qui, est évidemment, peut être intéressant de la part de celui qui le fait, mais pour le regardeur, ce n'est pas tellement passionnant. Bon, ça d'une part. Par ailleurs, il y a eu quand même l'art conceptuel euh, qui est allé assez loin dans, dans le, la, la déréalisation de, de, de la vue, puisque ça n'était plus que des concepts et non pas de de l'art la, de visuel parce que quand même malgré tout ce qui compte dans l'art c'est la vue hein, c'est un des sentiments les plus forts qui s'exacerbe à travers ça deuxième chose il y a les installations faut bien dire qu'au début l'installation c'est intéressant euh, j'ai vu des choses absolument superbes aussi bien chez les américains que chez les français mais petit à petit ça s'est déterminé donc après quand on voit un musée dans lequel on voit à trois poubelles, euh, un verre d'eau et un paquet de cigarettes par terre et que l'auteur se pense absolument exceptionnel, je dois dire que par rapport à tout ce que j'ai vu auparavant, euh, je suis un peu déçu. Par ailleurs, si vous voulez, je pense que ce qui est important dans la démarche qu'on a vis-à-vis -vis de l'art, c'est la connaissance qu'on peut en avoir. Moi personnellement j'ai eu une très grande connaissance pendant très longtemps et ma femme qui était critique d'art, une critique d'art très importante puisqu'elle a participé aux plus grandes revues françaises, qu'elle a été à la délégation des arts plastiques où elle a beaucoup travaillé. Et qu'elle a vraiment écrit des, romans, des livres importants sur l'art contemporain. Donc, chaque fois que j'allais à la Biennale de Venise avec elle, si vous voulez, même si j'avais des réticences, elle savait m'expliquer comment l'auteur, l'artiste était venu à ce qu'il. Et si vous voulez, si vous ne passez pas par la réflexion intellectuelle aujourd'hui, on arrive devant quelque chose qu'on ne comprend pas et dans lequel on est heurté de... brutalement. Donc, si vous voulez, il faut absolument suivre le cheminement de l'art. Pour comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, parce que justement, ce qui est extraordinaire, c'est que parmi ces installations merdiques, il y en a qui sont extraordinaires et d'autres qui sont totalement dérisoires. Ça, c'est aussi une chose intéressante, c'est que d'une part, je ne suis pas complètement démoralisé par rapport à l'art contemporain. Je, je trouve des choses absolument extraordinaires, surtout quand j'allais à la Biennale de Venise avec elle. Et par ailleurs, euh, bon, il faut bien dire que l'emprise le, du marché de l'art par euh, des grands galeristes et par des des hommes de la finance très importantes comme Arnaud, Pinault, etc., m'a amené, d'ailleurs, on le voit dans Black Bottom, à montrer comment l'art est aux mains de l'argent et que finalement, on arrive, ce que tout le monde a voulu rêver auparavant, à faire avec quelques actions d'éclat d'un parfait inconnu. Euh, un artiste dont la cote monte jusqu'à un million, deux millions, dix millions de dollars en quelques mois. Euh, pour moi, c'est quelque chose d'assez épouvantable qui est vécu euh, l'époque des collectionneurs où les gens véritablement euh, avaient une connaissance de l'art et achetaient des œuvres pour le regard qu'ils en avaient et pour euh, le plaisir de le posséder. Parce que maintenant, vous avez des collectionneurs euh, mondiaux. Je parle de vrais collectionneurs qui, mais qui sont en général des hommes d'argent qui ont des hangars pleins d'œuvres qu'ils ne voient jamais, qu'ils ont achetées sur le moment, et donc c'est absolument dérisoire. Quoi. Bon, c'est bien, moi j'ai énormément de tableaux, mais je, je, je les change tout le temps, j'ai assez de place pour pouvoir les mettre sur les murs et bon, je renouvelle en permanence. Sinon, c ces œuvres mortes dans des hangars, euh, qui n'attendent finalement que la spéculation monte, c'est quand même assez monstrueux, donc voilà, c'est un peu… Les deux points de vue que j'ai sur l'art contemporain. Bah, C'est-à-dire que ce sont deux villes qui me passionnent. Si vous voulez d'une part parce que je suis parisien depuis cinq générations, donc j'y ai toujours vécu et que pour moi c'est quand même une ville de rêve euh, qui me relance en permanence. J'ai toujours été à Venise euh, dans le temps euh, plusieurs fois par an et après toutes les biennales euh, que je ne manquais pas. Donc c'est aussi une ville qui m'a toujours fasciné, bon qui est, un contrepoint absolu, absolu de Paris, puisque ça ne ressemble absolument pas, puisque autant Paris est une ville qui vit toute la journée, qui vit la nuit, autant Venise, bon, peut-être plus maintenant, mais c'est une ville qui s'arrête à, à minuit. À minuit, tout est terminé. Donc j'ai eu la chance, quand même, de vivre, là, ces derniers temps, la fondation dans laquelle j'étais se trouvait à côté du Rialto, où il y a le marché aux poissons, qui est le plus beau marché aux poissons du monde. Et donc là, il y a beaucoup de Vénitiens. Donc si vous voulez, j'ai vécu le peuple de Venise. C'est aussi agréable de voir des gens dans les petits bistrots. Ça change aussi un point de vue sur. Là où il n'y a pratiquement plus de touristes, quoi. il n'y a plus que des Vénitiens. Ce qui devient rare puisqu'ils sont malheureusement passés de 200 000 à 50 000.